Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre émission Autant le dire. Elle était jusque-là connue comme femme d'affaires, puis vint son entrée assez inattendue dans la scène politique camerounaise. Elle a connu une ascension plutôt fulgurante et siège aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Députée 2.0, Nouran Fouting l'assume, tout comme elle assume également son statut de femme et surtout de jeune. Quels sont les secrets de son ascension fulgurante dans la scène politique camerounaise? Sa recette peut-elle réussir aux autres jeunes femmes qui veulent s'engager en politique? Jusqu'où compte-t-elle aller? Nous lui poserons ces questions et d'autres. Nous sommes le 8 mars 2021. Bienvenue dans cette émission. Nouran Fouting, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre émission. Nous sommes le 8 mars. Alors, qu'est-ce que l'Assemblée nationale du Cameroun a prévu à l'occasion de la Journée internationale de la femme? Alors, je dirais plutôt la semaine de la femme, parce que il y a beaucoup d'activités. Il y a eu un match de football opposant le personnel de l'Assemblée nationale à celui de l'hôtel des députés. Il y a eu un magnifique vernissage au niveau du musée justement national, et c'était magnifique de voir comment on a retracé l'ascension, le leadership féminin au sein de l'Assemblée nationale, quand on sait qu'en 1973, il n'y avait que 7 femmes à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on est à 61, il y a beaucoup à apprendre. Alors, au-delà de cette évolution quantitative des femmes à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez que les femmes pèsent véritablement dans cette Assemblée nationale, ou alors elles sont là juste pour faire des chiffres, pour qu'on se donne bonne conscience, qu'on respecte les quotas? Non, les femmes aujourd'hui pèsent à l'Assemblée nationale. On voit des caissières femmes, on trouve plus d'une secrétaire femme. Il y a également des vice-présidentes, mais il y a également plein de présidentes de réseaux et de commissions. D'ailleurs, l'une des commissions les plus actives et impressionnantes de l'Assemblée nationale est gérée par une femme, c'est la commission des finances d'ailleurs. Donc les femmes ont vraiment leur mot à dire à l'Assemblée nationale. Je pense que nous pesons de tout notre poids, nous ne sommes pas des figurantes, loin de là. Oui. Alors au-delà de l'Assemblée nationale, dans la scène politique ou alors dans la société camerounaise globalement, quel est le regard que vous jetez sur la place de la femme aujourd'hui? Quand on sait que la journée internationale de la femme a été instituée dans le but de promouvoir les droits de la femme et une certaine égalité, est-ce que vous pensez que c'est un combat qui a porté ses fruits aujourd'hui? Quelle est la place de la femme? Absolument, ça porte ses fruits. On n'est pas encore au bout du combat. C'est un long chemin qu'il faut continuer à mener, et tous les jours d'ailleurs. Il ne faut jamais s'arrêter, il ne faut jamais se reposer. Il faut pouvoir continuer ce combat pour pouvoir s'imposer positivement, occuper des positions importantes, prendre des décisions importantes pour notre pays, que ce soit dans le monde politique ou le monde des affaires, ou simplement dans la vie au quotidien, dans son foyer, ne serait-ce que et tout. Je pense que la femme de plus en plus s'affirme, elle est consciente de son potentiel, et la femme aussi, c'est, comment je veux dire, c'est le sucre de la société. Sans la femme, on sera toujours en guerre. Vous savez, les hommes, ils ont beaucoup de testostérone et c'est nuisible. Alors revenons à ce que vous aimez, la politique pure. On a eu les premières élections régionales au Cameroun il y a quelque temps. Sur les 10 exécutifs régionaux qui ont été élus, il n'y a aucune femme présidente des régions au Cameroun. Absolument, pour moi c'était un peu scandaleux. Je pense que j'ai fait une sortie dessus, sur mon compte Facebook, où je disais que c'est quand même anormal qu'il n'y ait même pas une seule femme. On a l'impression de regresser, partout on a envie d'évoluer, on a l'impression de regresser. Donc c'était vraiment injuste, et qu'il est vraiment important et temps que la femme occupe des positions partout dans ce pays. On parle de parité. Nous ne voulons même pas encore exactement ça, mais on veut déjà occuper des positions. C'est déjà un début. Est-ce que vous pensez que la femme camerounaise elle-même est consciente des enjeux aujourd'hui? Absolument. La femme camerounaise aujourd'hui est consciente des enjeux qui sont un peu partout autour de nous, parce qu'elle se rend compte que si elle ne se bat pas pour elle-même, pour ce qu'elle veut, personne ne le fera pour elle. On est dans une société de plus en plus capitaliste, où on a besoin de s'affirmer, et il faut pouvoir se faire soi-même. Vous savez, au Cameroun en particulier, la femme occupe une place particulière au sein de la famille. Aujourd'hui, la famille est construite plus autour de la femme qu'autour de l'homme.
Donc, il est important de prendre conscience de cela. C'est la femme qui subvient, pour la plupart des cas, aux besoins des enfants, même si l'homme y ramène peut-être de l'argent. La femme aussi ramène de l'argent, mais en plus de ça, elle participe à l'équilibre même de la famille. C'est elle qui élève, c'est elle qui soigne, c'est elle qui veille, c'est elle. Donc, vraiment, si on n'est pas conscient, c'est qu'il y a un problème. Oui. Alors, vous êtes jeune, vous êtes femme. Est-ce que dans votre trajectoire de femme d'affaires, on l'a dit en introduisant cette émission, et depuis quelque temps de femme politique, est-ce que le fait d'être jeune et femme a servi pour vous comme un atout ou alors comme une double peine? C'est les deux à la fois. C'est un atout comme c'est une double peine. Parce que, alors être une femme, moi je dis toujours, c'est un plus. Moi, j'ai jamais vu le côté négatif de cela. Je dis être femme, c'est un plus parce que ça te permet d'utiliser tout ce que Dieu t'a donné pour pouvoir arriver à tes fins. La femme est plus docile, ça veut dire dans sa démarche de demande de quelque chose, elle est plus féminine, elle est plus tempérée, elle a moins d'intérêt, moins de cupidité dans ce qu'il y a. Donc il y a cela qui joue, mais également la jeunesse est un avantage et un inconvénient parce que tout le monde te dit « Ah, tu es trop jeune, tu manques d'expérience, tu connais rien, attends d'abord les grands frères passent, attends les grandes sœurs passent, tu es trop jeune et tout. » Mais la jeunesse est aussi un très grand avantage parce que moi j'ai encore la chance de pouvoir faire des erreurs, de les réparer et de me relever demain. Ce qui n'est parfois pas le cas pour des personnes d'un certain âge. Alors est-ce qu'être une femme et jeune c'est un avantage? Pour moi, j'aime bien tirer plus le maximum positif de cela qu'autre chose. Ce n'est pas toujours facile. Mais il faut tomber et se relever. Ouais. Alors justement, il y a quelques années encore, vous observiez la politique de loin. Absolument. Et en très peu de temps, vous êtes entré dans la scène politique et vous avez été élu quand même à Douala, qui n'est pas une ville facile, dans une circonscription assez difficile également. Est-ce que justement le fait d'être jeune et femme, on ne vous a pas finalement seulement laissé? Laissé? On vous a seulement laissé, je crois. Non, non mais vous rigolez là. Les hommes peuvent parfois être un peu galants quand même. Non, oui. Pas du tout. La scène politique est très rude. C'est un domaine, comment j'ai envie de dire, c'est l'arène, carrément. Il y a des lions, il y a tout genre de fauves sauvages, donc loin de là. C'était très difficile, il faut dire d'abord, au sein de mon parti, c'était pas évident de pouvoir être tête de liste, que ce soit pour législative ou municipale. Il y a eu justement, vous avez été bombardé tête de liste comme ça, alors que vous n'aviez pas d'expérience. Comment vous pouvez dire ça? Je ne peux pas dire, j'ai été bombardée. J'ai participé à des élections à l'interne, il y a eu des élections et j'ai gagné aussi bien. Ah, c'est-à-dire qu'il y a eu des primaires? Il y a eu des primaires à l'intérieur du parti, justement parce qu'il y a cette bousculade qu'il y a eu et c'est normal au sein de tout un parti. Et j'ai gagné à la fois pour les primaires du municipal et aussi législatif. C'est après que je décide de laisser la tête de liste de municipal pour être uniquement tête de liste des législatives. C'était vraiment pas évident et c'était des combats rudes de plusieurs nuits et des coups bas et tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Mais j'ai la force de la persuasion, j'ai beaucoup de volonté, j'ai beaucoup de cela en moi et c'est quelque chose que je mets toujours en avant. Et en plus, je sais ce que les gens veulent. Je sais écouter les gens, je sais pouvoir répondre à ce qu'ils veulent. Et je vais vous dire aussi, si je me suis intéressée à la politique, c'est parce que forcément il y avait quelqu'un quelque part, assis quelque part, qui ne faisait pas son travail. Sinon, si les gens faisaient bien leur travail, je ne me serais jamais intéressée à la politique, je serais restée dans mes affaires qui prospéraient plutôt très bien. Alors, si moi, Norane Foster, jeune, j'entre en politique, c'est parce que je pense que je peux apporter un grand changement. Et voilà. Et même là, c'était pas facile, hein, il faut le dire, parce que les gens pensent que c'était évident, bon, après tu déposes ta candidature, tu évolues. Non, mais non, la liste a été rejetée. Ah, quand vous dites qu'on nous a seulement laissé là, oui. On ne nous a pas laissé. Oui. La liste a été rejetée en fait, oui. Et pour motif de non-paiement, je pense que quelqu'un s'est dit quelque part, bon, c'est des jeunes, ils sont incapables de payer et tout, bon, ce qui est tout à fait faux. On a dû aller devant la Cour constitutionnelle, oui. On a défendu le dossier avec tous mes camarades, tous mes colistiers, et on a obtenu gain de cause, on a été rétabli, la liste a été rétablie, sinon c'était pas facile. Tout a été fait au départ pour qu'on n'y participe même pas. Donc finalement, votre entrée dans la scène politique, contrairement aux apparences, ne fut pas une sinécure alors?
Ben non, je ne sais même pas de quelle apparence on parle, mais c'était un combat permanent. Vous savez, oui, moi, je relis beaucoup. Parce que vous arrivez il y a à peine trois ans qu'on entend parler de Nouran Fotin sur la scène politique. On parlait de vous dans d'autres domaines. Bien de préciser. Oui. Mais dès que vous entrez dans la scène politique, immédiatement, vous êtes élu député devant des gens qui, depuis 10 ans... Vous avez vu ma campagne? Oui. Est-ce que vous avez vu ma campagne? On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, de cette campagne. Je ne suis pas arrivée comme ça, parachutée. Hein. Oui. C'est un travail de longue haleine. Et comme vous le dites si bien, j'existe sur les réseaux sociaux, sur la scène, bien avant le côté politique. Et ça, ça m'a beaucoup aidée, en réalité, parce qu'on connaissait la personne en elle-même, en qui est-ce que les gens ont pensé qu'ils pouvaient mettre espoir, un espoir longtemps perdu. Alors, franchement, est-ce que votre... vous n'êtes pas pauvre, vous êtes quand même... voilà. Est-ce que vos moyens, voilà, est-ce que vos moyens ne vous ont pas un peu aidé quand même pour vous faire... c'est vrai que vous dites avoir... non, pas vous dites, vous avez remporté les primaires, que ce soit pour les législatives ou alors les municipales, tête de liste des deux côtés, vous avez choisi l'Assemblée nationale. Mais est-ce que vos moyens n'ont pas pesé sur la balance, franchement? Non. Financier? Non. Pas du tout, il n'était pas question de faire... Déjà, vous savez ce que c'est que la conquête du pouvoir? Oui. Vous imaginez ce que c'est que les gens veulent conquérir le pouvoir. Au sein du parti politique, le PCRN, on est vraiment, comment je vais dire, on est vraiment des fervents croyants en ce que nous pouvons apporter du changement. Et chaque membre du PCRN veut montrer de quoi il est capable, parce qu'on a beaucoup de potentiel dans nos rangs. Donc l'argent n'aurait jamais pu classer quelqu'un devant l'autre, c'était pas possible, c'était une question de travail. Et puis il faut dire, nous sommes un jeune parti. Oui. On est un jeune parti. Les gens cherchent plus à être convaincus qu'autre chose. Oui. À ce moment-là, ce n'est pas l'argent qui agit, c'est ce que vous pouvez apporter, le discours que vous tenez. C'est ça un homme politique. Oui. Et je pense que c'est ce qui a déclenché tout. Quand j'ai pris la parole devant mes camarades, ils se sont certainement dit qu'en elle, on peut avoir un lendemain. Et parfois, c'est pas la prétention, mais parfois je me dis, peut-être si je n'étais pas la tête de liste, on n'aurait peut-être pas eu un siège ouvrier-est. Ah ouais? Oui. Donc, Nouran Fotin, tête de liste, c'était un siège garanti au moins. C'est ce que j'ai dit pendant la campagne. J'ai dit à mes camarades, si vous me faites de moi la tête de liste, je gagne vos rires. Et je suis, comme on dit, machine à gagner, j'aime le dire. Et vous savez, moi je suis de ceux qui pensent que le dire, c'est la moitié de l'accomplissement. Je suis de ceux-là qui visualisent quelque chose intensément et qui sont tellement déterminés à pouvoir accomplir. Comme je le dis souvent, even sky is not my limit. So. Alors, et pendant la campagne électorale, il y a eu quand même un déploiement assez important. On a suivi votre campagne dans les réseaux sociaux, assez bien menée, convenons-en. Et si vos moyens ne vous ont pas un peu poussé pendant l'investiture, pendant la campagne, vous avez déployé d'énormes moyens quand même. Ça, c'est vrai. Des bus et tout. Oui. Il faut que je vous dise, nous n'avons pas les moyens de nos concurrents. Hein. Loin de là. Mais nous avons la stratégie et nous avons un esprit jeune. C'est ça qui fait toute la différence. Et c'est là où les anciens devraient un peu, comment je vais dire, se mettre au goût du jour. Vous voyez, c'est ça qui nous a aidés. On a fait une campagne spectaculaire. Certes, ça a coûté un bon paquet, mais on a innové. On a innové, on est allé sur le terrain pour de vrai. On n'a pas fait la campagne à partir du fond de notre salon ou en passant des coups de fil, etc. On est allé sur le terrain et même ceux qui nous demandaient bah, « tu aimes pas, donne-moi ma bière, donne-moi mon poisson, là, ma sardine, je mange. Je... » Ma part, c'est tout de suite la vie. Ah, la sardine aussi. Mais, oui. Mais attends. Non, mais je leur disais que c'est bien, tu vas manger et ça va finir. Je vais même te dire, quand on va venir te donner, prends, tu manges, c'est ton argent. Mais quand il va falloir voter, sanctionne. Parce que tu es dans les mêmes problèmes depuis longtemps. Moi, je peux apporter une ère nouvelle. C'est ce que le PCRN incarne. C'est ce que le président Cabral Libi a incarné pour les Camerounais pendant la présidentielle en 2018. C'est ce qu'il continue à incarner. Donc, pour nous, il est très important de pouvoir changer, bouger des lignes. Alors, lorsqu'on voit une dame qui entre en politique, il y a pas mal de mécènes qui viennent pour apporter un financement. Combien de soutien financier avez-vous reçu, Nouran? C'est combien, ça? Ça, c'est combien? Zéro. 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 Absolument rien. Personne n'a voulu miser sur vous? Il y en a. Il y a eu des gens qui ont proposé. Mais moi, je me suis dit, je suis nouvelle en politique, je démarre. Je veux rester intègre. Je ne veux pas être redevable à qui que ce soit.
et je suis une femme. Donc, il faut que je fasse attention à où je mets les pieds. Donc, pour moi, je me suis dit, je vais me battre tout seul. Je vais me battre avec mes moyens, avec mon équipe, avec tous les membres du parti. Et on va essayer de faire l'impossible. C'était difficile, c'était même très, très difficile. On avait des moments où on avait du mal à payer le carburant. Oui. Des bus qui faisaient les navettes. Ou alors, des moments où on nous siphonnait le carburant. Oui. Les bus... Ou les moments où les engins, je vais dire, puisqu'on avait aussi un, comment on les appelle, des cars de caravane qui font de la musique. Un car podium, justement, parfois aussi tombait en panne. Bon, on attendait que ça s'arrange, la situation s'arrange avant d'évoluer. C'était pas une campagne facile. Parfois, même, c'est des gens autour de nous qui nous aidaient à dépanner ceci, dépanner cela. Des gens qui nous aidaient à faire du show aussi pour attirer des gens, pour intéresser des gens qui prenaient des flyers, qui nous aidaient à partager et tout. On a eu, la population en elle-même a beaucoup participé à notre campagne. Je me rappelle, il y a des moments où on faisait la campagne ici, le RDPC était de l'autre côté là-bas, les gars étaient bien dans les tentes et tout, c'était beau, pratiquement climatisé à la limite. Mais nous, on était sous le soleil en train de taper, cogner. Et voilà, alors ça a payé. Alors, aujourd'hui, ça fait un an que vous êtes député. Oui. Qu'avez-vous fait du mandat qui vous a été confié par le peuple camerounais? Quel est votre bilan un an après? Je pense que je suis l'un des rares députés qui communique énormément sur ses activités, que ce soit à l'Assemblée nationale ou en dehors de l'Assemblée nationale. J'ai une page Facebook qui est plutôt très active, un compte Twitter très actif, où je renseigne toujours, je fais des bilans de manière mensuelle ou parfois trimestrielle. Sinon, je peux vous citer quelques-unes des réalisations. Faites. Tout le monde en parle, par exemple, des micro-projets. Oui. Les gens se demandent ce qu'on fait avec l'argent des micro-projets. Moi, mon micro-projet, les 8 millions qui sont donnés à l'Assemblée nationale, moi, je les ai orientés vers la formation des jeunes, parce que je suis aussi le député des jeunes. Je suis le député de l'emploi, j'aime à le dire, parce que je pense que c'est le véritable problème des Camerounais. Si on souffle aujourd'hui et on commence à s'intéresser à la scène politique, c'est parce qu'il y en a aussi un ras-le-bol du chômage exagéré. Et qui dit chômage, ça veut dire on manque quoi manger, on manque comment se soigner. Donc c'est un problème de base qu'il faut résoudre, de chômage. Donc moi j'ai décidé de former 30 jeunes dans les métiers d'aquaculture, pisciculture, apiculture également. C'était plutôt très intéressant, on a reçu 2000 candidatures. Mais nos moyens ne nous permettaient pas d'aller au-delà. Ils ont été formés sur un site, tous les jours on les transportait, ils étaient nourris. On a vraiment participé à la fin de la formation, ils ont reçu du matériel pour pouvoir démarrer eux-mêmes des activités. Et beaucoup ont démarré des activités. J'ai récemment encore visité ces activités. J'ai goûté à leur production. Et c'était magnifique. Ça, c'est pour ne citer que les micro-projets. Sinon, pendant la période de la Covid-19, je me suis énormément déployée sur le terrain en apportant du soutien à la population, que ce soit en termes de savon, des seaux, des gants, des gels hydroalcooliques, que ce soit au niveau des masques. Donc on a eu un très grand déploiement sur les terrains, et pas seulement qu'à Douala, pas seulement dans le Vouri, mais on était à Yaoundé, à Soa, on était à Boya, on était un peu partout vraiment, partout où on pouvait le faire, on pouvait faire quelque chose, on a fait quelque chose. Oui, mais pardonnez-moi, c'est bien là le problème, Nouran Foster. Oui. On ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. De tout temps et partout, sur toutes les latitudes, le rôle d'un député, c'est voter des lois et contrôler l'action gouvernementale. Permettez-moi quand, de vous applaudir, vous, oui, d'être conscient de cela. Voilà. Mais quand on vous voit dans distribution de si, réalisation de telles choses, c'est très noble et tout. Mais est-ce que vous ne vous trompez pas de rôle, finalement? Vous avez très bien dit que le rôle du député, c'est de voter les lois et... contrôler l'action gouvernementale. Très bien. Oui. Seulement depuis un peu plus de 30 ans, depuis la venue du multipartisme au Cameroun, aucune loi n'a été proposée par les députés et elle a été prise en compte. Ouais. Ça, peut-être que les Camerounais ne savent pas. Quelque part, on a l'impression que ce n'est plus notre travail. Et même que... Et sur le terrain de la proposition des lois, vous êtes handicapés. Nous sommes handicapés du par la minorité. Nous sommes d'abord faibles en nombre. Nous sommes que 5 députés à l'Assemblée nationale. Du PCRN. Du PCRN. Le process, c'est que tu déposes, tu fais une proposition de loi, elle passe, on l'étudie, on l'envoie à une commission, la commission la renvoie. Déjà, tu n'es même pas sûr. Et même, combattant. Pas que tu es sûr, c'est que ce n'est jamais... Je parle du cas du SDF, qui l'a fait pendant... Il l'a fait plusieurs fois. Ils ont essayé, mais ça ne passe pas. Alors,
On ne va pas rester là et dire, bon d'accord, je ne peux pas faire mon travail de député, bon d'accord, je me contente, je m'assois et puis voilà, je glande toute ma vie. Non. D'où la notion du député 2.0. Oui. Ma notion de député 2.0, c'est un député qui peut utiliser également sa position pour aider la population. Il ne faut pas oublier que c'est la population qui m'a voté pour que je puisse être leur voix. Alors si je ne peux pas être leur voix à l'Assemblée nationale en proposant des lois, et d'ailleurs que pour pouvoir proposer des lois, il faut se frotter à la population, oui, les vivre au quotidien pour savoir ce qu'ils veulent et faire une proposition vraiment à la pointure de leur espérance, je peux au moins les aider au quotidien à ouvrir des portes, à leur faciliter la vie, à leur rendre ce qui est impossible possible. Moi, dans ma circonscription, les gens me disaient qu'ils ne savent même pas à quoi ressemble un député. Ils n'ont jamais vu de député. Les députés, ils les voyaient uniquement quand il y avait la campagne. Mais nous, on a changé cela. On a démystifié. Le député est au service du peuple qu'il a élu. Le député n'est pas au-dessus du peuple. Il est à son service. Et c'est ce que j'essaye de faire. Moi et tous mes camarades du PCRN, on se met vraiment au service. On résout même des tout petits problèmes. Je vais vous dire, moi j'ai des gens qui me contactent d'autres circonscriptions qui sont très loin de la mienne, oui, pour les aider. Et ça, j'arrive à le faire. Je donne du sourire. Je bouge des lignes. Doucement, des petites lignes. Mais je les bouge quand même. Mais finalement, le rôle du député reste, c'est-à-dire faire des lois qui peuvent être d'ordre général, parce que, oui, voilà, vous n'allez jamais réussir à aider tout le monde, même si 8 millions, ce n'est pas mal. Oui. Alors, il y a eu une époque où il y avait une réflexion sur le fait de maintenir ou non ces micro-projets parlementaires. Oui. Pour vous, c'est important de maintenir ? Pour moi, si on doit les maintenir, il faudrait que ce soit des montants un peu plus conséquents pour qu'on, oui, puisse aider la population. Mais je pense que c'est quelque chose qui ne fait forcément pas... C'est vraiment un couteau à double tranchant. Ça te permet d'aider les gens, mais en même temps, ça fait que les gens espèrent beaucoup. Il faut dire aussi que le rôle du député n'est pas de venir en aide financièrement à la population. Absolument. Et ça, c'est quelque chose... C'est un problème qui existe aujourd'hui. Tout le monde te demande de l'aide financière et tout. C'est pas évident. Donc le micro-projet prête à confusion. À ce niveau-là, c'est compliqué, mais en même temps, il t'aide à résoudre certains problèmes parce que nous sommes dans une société africaine quand même. Les gens veulent bien pouvoir compter sur toi. Et en Afrique, quand on veut compter sur toi, il faut bien que tu apportes une aide pécuniaire, malheureusement. Donc, Alors, un autre mot sur ces fameux micro-projets parlementaires. On a l'impression que c'est un argent qu'on donne en cadeau aux députés. Dieu merci, le vôtre, vous essayez de financer un certain nombre de projets. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, il y a quand même un contrôle? C'est de l'argent public, mon Dieu. Normalement, il y a un contrôle. Il faut rendre compte de ce que tu utilises. C'est clair, c'est dans les textes. Il faut rendre compte de ce que tu as fait avec l'argent des micro-projets. En tout cas, en ce qui me concerne, il y a quand même des députés qui ne font rien avec cet argent. Ben ça, je ne peux pas parler pour eux, mais je parle pour moi et pour mes camarades du PCRN, je suis sûre. On fait des choses, on rend compte. Et il faut rendre compte à l'Assemblée nationale de ce que vous faites avec l'argent des micro-projets. Donc, c'est important. Nous, on est de bons citoyens. Oui. Alors, vous êtes très active, ça, il faut vous le reconnaître, honorable Nouran Fouting. Vous êtes maire sur certains sujets qui interpellent les Camerounais. Vous êtes très peu diserte. Il y a par exemple en ce moment cette histoire de la gestion des fonds de la CAN 2019. On ne vous a pas beaucoup entendu sur un tel sujet. Ce n'est pas important pour vous? Non, c'est important, mais je pense qu'on ne peut pas tout embrasser. Oui. On ne peut pas parler de tout aussi. Ça devient, on sature. Oui. Vous voyez? Bon, je vous en donne l'occasion aujourd'hui. Est-ce que vous seriez favorable pour l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire pour voir clair dans la gestion Absolument. De cet argent? C'est le, oui, travail du député, non, contre l'action gouvernementale. Oui. Donc pourquoi pas? Absolument. Il le faut même d'ailleurs. Et je pense que si nous, députés, on faisait de plus en plus ce genre d'action, on verra de plus en plus clair. Alors on va mieux contrôler en fait certaines choses et on rendra compte à la population. Maintenant, faudrait-il encore qu'on ait la possibilité de le faire, nous autres qui sommes minoritaires? Alors, autre chose, autre sujet qui fait des gorges chaudes, et je ne vous ai pas beaucoup entendu, je suis abonné à votre page, j'y passe tout mon temps. Cool. Voilà. C'est intéressant quand même. Ouais, c'est...
Okay. Alors, autre sujet qui fait des gorges chaudes, et on ne vous a pas beaucoup lu ni entendu là-dessus, c'est sur la transparence des élections, la modification du code électoral aujourd'hui. Alors, vous pensez que ce code électoral, comme vous avez été élu avec, ça veut dire que c'est bon, hein? Non, 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 pas du tout. Ma position est celle du président Cabral Biya, en réalité. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est bien beau de vouloir changer le code électoral. C'est bien beau. Mais il faut savoir que tant que le gouvernement en place va toujours rester majoritaire, il ne va jamais changer le code en quelque chose qui peut lui être défavorable. Ça, ce n'est pas possible. Alors, c'est quoi la solution? La solution est de pouvoir engager plus de Camerounais au vote. En 2018, pour les élections, par exemple, présidentielles, on a eu 6 millions d'inscrits et il n'y a même pas 3 millions qui ont voté. Alors, c'est un peu anormal que moins de 3 millions gèrent presque 25 millions. En fait, décident c'est terrible, 25 millions d'habitants au Cameroun. C'est un peu injuste, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redemander au Camerounais, il faut éduquer le Camerounais, il faut le conscientiser, l'amener à participer au vote. Il faut qu'on inscrive plus de Camerounais. Et moi, par exemple, l'une des choses qu'il faudra changer sur cette loi électorale, ce sera peut-être l'âge du vote, qu'on ramène à 18 ans. C'est d'ailleurs le cas chez beaucoup de nos voisins, c'est le cas en Europe. Pourquoi pas? On est assez responsable, assez grand, assez mature pour aller en guerre, s'engager dans le front, au front, faire la guerre à 18 ans. On est assez mature pour se marier à 18 ans, mais on n'est pas assez mature pour pouvoir décider de qui va nous gouverner dans ce pays. C'est quand même incroyable. Donc il y a des choses qui doivent changer et ça c'est l'une des lignes qui doivent changer. Mais le plus important, c'est de faire inscrire le maximum de Camerounais sur une liste électorale pour qu'au moment, si jamais il y a revendication, que ce ne soit pas 100 000 ou 200 000 qui revendiquent, mais si on a 15 millions d'habitants qui participent et qu'il y a 5 millions qui revendiquent leur victoire, c'est plus fort, quelle que soit la loi électorale qui a été mise sur place. On ne peut pas résister à 5 millions de demandes. Oui. Est-ce que la démotivation des gens pour la politique ne vient pas justement de la fraude électorale qui, de toutes les façons, fausse le choix des gens? Mais c'est facile de frauder quand tu as 2 millions de personnes qui votent. Je vais dire, si tu as 10 millions, 15 millions qui votent, ça devient beaucoup plus compliqué de frauder. Si tu as ces mêmes personnes qui contrôlent leur vote, c'est un peu plus difficile de contrôler. Et puis c'est trop facile de dire, je ne vote pas, je ne m'engage pas parce qu'il y a trop de faux et rester. Ce n'est pas à partir de ton fauteuil en regardant la télé et en zappant ton écran que tu vas changer les choses. Oui. Il faut participer. Il faut participer. Et c'est ce que je me tue à dire toujours aux jeunes. Il faut participer. C'est ça le problème. Les gens se désengagent. Ils font de grands discours, ils écrivent beaucoup de bêtises, mais ils ne font rien, ils doivent être dans l'action. Il faut prendre part au changement. Il faut prendre part au changement, l'alternance dont on parle. Ce n'est pas seulement pour les gens dans l'opposition, c'est même pour ceux qui sont dans les rangs du RDPC. Eux aussi, ils ont besoin d'alternance, ils ont besoin de changement. Il faut un souffle nouveau sur le Cameroun. Je vous propose, madame, de prendre une petite pause et nous revenons juste derrière pour la suite de cet entretien avec Nouran Fouting. Elle est députée à l'Assemblée nationale pour le compte du PCRN. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hotel Locate d'Orsay, better than what you imagine. We'll be right back.
Voilà, mesdames et messieurs, retour dans ce studio ou alors sur ce plateau pour la suite de cette émission avec notre invitée, Nourane Fautsing. Elle est députée à l'Assemblée nationale pour le compte du PCRN. Alors, madame le député, vous étiez récemment, j'imagine que c'était dans le cadre de vos activités parlementaires, aux Émirats arabes, c'est bien cela. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous êtes allé faire dans ce pays ? Alors pour moi, il était question d'aller voir le potentiel qu'offre ce pays pour les Camerounais. Il y a une forte diaspora de ce côté. Les gens ne savent pas, mais on a presque 20 000 Camerounais de ce côté-là. Oui. Donc c'est énorme. Pour moi, il était question d'aller le voir, voir les opportunités commerciales. Surtout qu'on a bientôt Emirates Airlines qui va fly sur le Cameroun. Ah oui ? Oui. Donc, il était question de voir les opportunités. Est-ce que les cargos camerounais, par exemple, se sont intéressés au sujet? Est-ce qu'ils ont pris les dispositions pour faire partir des futurs bénéficiaires? Qu'on ne nous donne pas le pion, vous voyez un peu, parce qu'il y a quand même une forte quantité de cargaison qui va de Dubaï au Cameroun. Oui, il y a pas mal de gens qui font beaucoup, des affaires entre le Cameroun et Dubaï. Énormément. Oui. Donc, il faudrait qu'on se réveille de ce côté. Pour moi, il était question de voir les Camerounais aussi, les écouter, voir ce qu'on peut faire pour les aider. J'ai découvert plein de choses plutôt surprenantes. Oui. Quel accueil vous avez reçu de la part des Camerounais des Émirats? Alors, ils étaient très contents et très curieux et très surpris. Oui. Parce que c'était la toute première fois. Ils m'ont dit, personne ne nous a jamais demandé ce qu'on veut. Personne ne nous a demandé comment est-ce qu'on va. Vous savez, les Camerounais vivent des situations plutôt assez difficiles de ce côté-là. Parfois, ils sont victimes de beaucoup d'abus. Oui. J'ai découvert que beaucoup ne connaissent pas, par exemple, l'existence d'un consulat qui existe depuis 2 ans, d'ailleurs. Beaucoup ne connaissent pas comment est-ce que le consulat peut les aider à résoudre certains de leurs problèmes. Donc, il était question d'avoir cet échange. D'ailleurs, j'ai été reçue par le consul général du Cameroun aux Émirats. C'était plutôt très intéressant, très bon échange. Ça leur a également permis de rencontrer ces Camerounais-là. Moi, j'ai fait du porte-à-porte, je suis descendue, je suis allée voir des petites sociétés camerounaises qui sont là-bas, j'ai toqué, je les ai invités. Et on a donc fait cette agréable assise le 25 décembre, où on a dîné, on a discuté, ils ont eu le temps de poser leurs questions, faire des propositions. Le consulat a pu aussi s'exprimer sur pas mal de points qui préoccupent les Camerounais. Donc, c'était un moment vraiment très, très important, très agréable. Et je pense que dans un futur proche, ça va être également très bénéfique parce qu'il y a de belles opportunités sur les Émirats. Alors, belle destination touristique aussi. Hein, très belle destination Dubaï, touristique. D'ailleurs, moi, je dirais que j'étais un peu frustrée quand je suis arrivée à Dubaï. Qu'est-ce qui a bien pu vous frustrer? Alors, c'est... de voir comment les gens ont réussi à transformer le désert en un Eldorado. Dubaï, c'est vraiment très beau. C'est plus beau que la Chine, c'est plus beau que les États-Unis, c'est plus beau que Paris. C'est tellement développé, ils sont à un autre niveau de développement. Et là-bas, les choses poussent comme des champignons, ça va tellement vite et tout. J'étais frustrée parce que je me dis, on a quand même Alors qu'a priori, ils ne sont pas avantagés par la nature. Exactement, ils ne sont pas avantagés, mais ils ont fait tellement de choses. Et moi, je me suis dit, mais tous les Camerounais qui vont à Dubaï, parce que moi, c'était ma première fois, quand ils vont là-bas, ils voient tout ça. Ils sont pas un peu dans genre, il faut que je fasse la même chose ici, ou il faut que je ramène des investisseurs ici, ou il faut que je... Donc c'était un peu plutôt assez frustrant quand même, et frustrant de manière positive dans le sens où ça te donne un moteur en fait, ça te requinque, ça te dit il faut que je travaille, il faut que je bosse encore. Alors, et parlant de tourisme, est-ce que vous pensez que le Cameroun, parce que Dubaï, c'est une grosse destination touristique aujourd'hui, le tourisme camerounais, bon, on parlera des contre-coups du Covid peut-être, mais Le tourisme au Cameroun, franchement, est un peu souffrant, je veux dire même très souffrant. On a une très belle destination. Le Cameroun, comme on le dit, c'est l'Afrique en miniature. On a tellement... Moi, j'étais au Rwanda. D'ailleurs, j'y étais plusieurs fois et juste avant justement l'élection législative, j'étais impressionnée de voir comment un pays si pauvre en ressources peut briller autant au point d'attirer carrément des acteurs hollywoodiens, des grands footballeurs de Barcelone et tout ce qui va avec pour venir visiter le Rwanda, qui est un tout petit pays plutôt... pas assez à l'aise en termes de tout ce que... De ressources. Ressources. On a au Cameroun, on a une richesse en faune, en flore, on a des paysages incroyables. Et en plus, il y a eu une histoire quand même tragique. Hein, en 1994, on découpait les gens à la machette. La destination
Visit Rwanda est impressionnante. Ça devrait être le cas au Cameroun. Ça veut dire qu'on a tellement de potentiel et il faut qu'on fasse quelque chose pour pouvoir redonner cela. Moi, récemment, je discutais avec un jeune qui fait dans le tourisme au niveau de la Sanaga. Il me disait, honorable, vous savez qu'on a des lamantins ici. Je lui dis, quoi? Il me dit, oui, il y a des lamantins. Je lui dis, le lamantin, le gros truc là. Il me dit, oui, il y en a. Je lui dis, c'est vrai ça? Il me dit, honorable, quand tu veux, je te fais venir, je te fais visiter. Je lui dis, je viendrai visiter parce que j'ai besoin de requinquer le tourisme. Le tourisme fait entrer beaucoup d'argent. L'Égypte a basé son économie sur le tourisme. Oui. Tellement 60% de leurs recettes, c'est le tourisme. Dubaï, c'est presque 90%. Je vais dire que il y a un énorme potentiel touristique. Il y a beaucoup d'argent dans le tourisme. On devrait mieux vendre la destination Cameroun. On parlait des chantiers de la CAN tout à l'heure et je me souviens que pendant le CHAN au Cameroun, vous avez réalisé quelque chose de pas mal quand même. Oui, hein, ouais, c'était 300 super. Orphelins que vous avez amenés découvrir le stade, le magnifique stade de Japoma et assister à un match des Lions Indomptables en même temps. Alors, parlez-nous de cette aventure. Comment vous l'avez organisé? Alors, c'était superbe. En fait, tout commence quand je vais au stade avec mes enfants pour l'ouverture. Et mes enfants, ils sont tout petits, ils ont 3 ans. Mais ils ont été tellement impressionnés, c'était tellement beau. C'est, ah, on va botter le ballon, on va faire ceci, on va faire cela. C'était une très belle expérience pour eux. Même les autres parents que je voyais avec des enfants, c'était magnifique. Et alors, je me suis dit, ça serait bien de faire vivre ça à des orphelins. Ça serait une belle expérience. Et vous savez, parfois, un bon souvenir peut changer toute une vie. Alors, je me suis rapprochée des différents responsables au niveau de la CAF. J'ai eu la chance qu'on m'a introduit justement au président de la CAF. Et je lui ai expliqué le projet. Il m'a présenté au SG. Et je lui en ai parlé et tout. Il m'a dit, bon, c'est Covid, c'est un peu difficile et tout. Je lui ai dit, non, on va essayer de faire le maximum pour que ça puisse bien se faire. C'était un challenge énorme. Et j'ai pu donc obtenir de la CAF 300 places pour 3 matchs différents. Et c'était un parcours du combattant, je vous assure. Pour le premier match à Japoma, il y avait tellement d'embouteillages, on a dû abandonner le bus. Les enfants ont marché à pied pendant au moins 4 km. Ah oui, pour rejoindre le stade. On était épuisés pour rejoindre le stade. On était épuisés, c'était incroyable. Heureusement qu'on a été accompagnés par certains sponsors qui nous donnaient à boire. Donc notamment, je ne sais pas si je peux les citer, allez-y. Les brasseries. Et voilà, on est arrivé tout fatigué, mais c'était énorme, très belle expérience. Parce que quand on arrive au stade, d'abord on arrive sur la mauvaise entrée. Oui. Il faut chercher la bonne entrée. On nous dit d'aller contourner et tout. Heureusement, toujours un très gentil Camerounais. Les grands stades, c'est toute une autre culture. Hein. Oui. Mais ça va venir quand même. Ça va venir. Donc c'est comme ça que finalement, on rencontre quelqu'un là-bas qui connaît bien, un jeune homme d'ailleurs, qui fait dans une activité très intéressante. Il dresse les chiens. Et c'est lui qui nous permet d'entrer par cette mauvaise entrée-là. Et dès qu'on arrive au stade, 2 minutes plus tard, dès qu'on s'installe, des lions marquent le but de l'égalité. C'était magnifique. C'était l'apothéose pour les enfants. C'était un moment magique. Ils ont oublié qu'ils ont marché pendant 4 km pour arriver. Oui. Et voilà, c'est des bons moments à faire vivre aux Camerounais. Alors, les billets pour les matchs étaient assez rares en raison de la limitation des places due au Covid. Et vous avez quand même coupé 300 billets comme ça pour des enfants alors qu'il y avait des footeurs au quartier qui cherchaient des billets, Madame le député. Mais c'est grave de dire ça. Pourquoi les orphelins ne sont pas des Camerounais, ne sont pas des personnes aussi tout à fait dignes d'avoir d'assister à un match? C'est pas ce que je veux dire, mais... Non, mais c'est ce que vous insinuez tout de même. Je vais dire que c'est des enfants, ils sont orphelins. Ils ont déjà un fardeau. De leur ajouter le fait qu'ils ne méritent pas ou que la place aurait dû revenir à un autre Camerounais, je trouve que c'est un peu malsain. J'ai lu les commentaires sur les réseaux sociaux et tout. Je trouvais que c'est vraiment malsain de parler comme ça. Tout le monde peut se trouver dans cette situation, être orphelin. C'est difficile, mais donner un sourire à un enfant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier ni estimer. Donc, leur vie n'est pas tout aisée. Il ne faut pas leur priver ça. Cette opération, selon mes informations, vous me corrigerez si je me trompe, cette opération a failli ne pas avoir lieu parce qu'elle avait été interdite. Vrai ou faux? Ça, c'est très vrai. C'est très interdite vrai par les autorités camerounaises, justement. Parce qu'en sérieusement fait, sérieusement. Oui. À Douala, c'était facile parce que c'est ma ville. Oui. Mais quand j'ai voulu le faire à Yaoundé pour le dernier match, en fait, la finale, je me suis adressée aux autorités d'ici,
notamment la déléguée régionale en fait. Et je lui ai dit que je souhaitais donc qu'il nous mette en contact avec certains orphelinats, délégués régionales pour les affaires sociales en fait. Je souhaitais qu'il nous mette en contact avec certains orphelinats qui vont... Au début, elle était très réceptive, ça se passait super bien et tout. Et puis le lendemain, je reçois un message, un courrier en fait, oui, qui interdit carrément. Un courrier officiel. Oui, oui, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous déployer. Et puis demain, il y a l'école. Et puis, Moi, je me suis dit, mais c'est un peu grave là, parce que si vous vous empêchez à des orphelins de vivre un moment aussi formidable, il y a un problème. Et je me suis dit, je vais aller au stade. La lettre était cotée un peu partout. Je vais aller au stade et je vais voir comment vous allez empêcher des enfants de vivre ce moment agréable dans leur vie, d'avoir des souvenirs mémorables. Je vais voir ça. Vous avez forcé ? Ben, je suis partie au stade. Vous nous avez vus à Yaoundé, non ? Oui. Et on a eu plein de personnes qui sont venues saluer les enfants, notamment Sombana est venu saluer. Les enfants, ils ont fait plein de photos, un moment de bonheur incroyable. Moustique Charismatique est venu voir les enfants, Nabila a vu les enfants, ils ont fait des photos. C'était magique. Et vous vouliez empêcher ça ? C'était quoi la raison pour empêcher ? Parce que j'ai du mal à comprendre quand même. Non, mais je ne vais pas m'exprimer à la place des gens, mais. Je vais m'exprimer à la place des gens, mais je ne sais pas, peut-être. Bah, anyway, je laisse à chacun le soin d'interpréter ça à sa manière. Oui. Vous êtes très active, on ne cessera pas de le dire, beaucoup d'énergie. Oui. Alors, on vous voit vous déployer un peu partout. Aujourd'hui, c'est avec le PNUD, demain avec le Commonwealth, après, c'est avec les missions diplomatiques installées au Cameroun, avec des ministres. La dernière fois, je vous ai vu avec le directeur général du port autonome, oui, de Douala, ainsi de suite. Alors, finalement, ça vous donne un joli carnet d'adresses. Tout ça, c'est pour vous ou alors pour vos électeurs ? J'ai du mal à voir. Certainement, ouais, pour mes électeurs d'abord. Comme, ouais, je leur dis, quand je leur parle, je leur dis, je peux vous aider à ouvrir des portes que vous ne pouvez pas ouvrir parce que vous êtes simplement un citoyen. Mais moi, en tant que député, je peux ouvrir des portes pour vous. Voilà pourquoi je suis toujours en train de chercher des solutions pour pouvoir aider les gens. Je ne peux pas aider tout le monde, mais le peu de personnes que je peux aider à travers les relations que je peux faire, je le fais volontiers. Volontiers. Donc, ouais, c'est un peu ça. Alors, vous êtes député. C'est aussi la force de la jeunesse. Oui, certainement. Vous êtes député d'un, oui, parti de l'opposition. Oui. Quand vous rencontrez, le PCRN, quand vous rencontrez des membres du gouvernement, j'ai toujours du mal à voir pourquoi est-ce qu'ils vous ouvrent si facilement les portes alors que vous êtes de l'opposition. Maintenant, je veux clarifier quelque chose. Allons-y. Le ministre n'est pas le ministre seulement des gens du RDPC. Mais c'est comme ça qu'ils perçoivent leur fonction. Non, mais c'est très grave. Oui. Un ministre, c'est le ministre de tous les Camerounais. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Le ministre, même un simple Camerounais, doit aller demander audience et le ministre doit le recevoir. Ouais. C'est ça. Donc, que les gens arrêtent. Est-ce qu'on vous ouvre naturellement les portes dans les ministères, dans les administrations publiques ? Naturellement. Oui. Bon, pas naturellement, il y a des mois aussi on refuse, mais je force. Oui. Oui. Oui, en fait, c'est pas toujours tout est, c'est pas toujours fleur, fleur, fleur. Ouais. Bien sûr, il y a des intérêts, bien sûr, il y a des gens qui veulent pas, parce que, bon, voilà, tu es peut-être l'opposition, ils veulent pas et tout, mais moi, je vais pour un but. Quand j'ai dans ma tête que je sais que je vais pour un objectif et que je sais que c'est bien pour les gens autour de moi, franchement, je fais le maximum pour pouvoir le faire. Bon, maintenant, la casquette de député me permet d'ouvrir des portes, ça c'est vrai, mais c'est pas toujours tout rose. Et je tiens encore à souligner, les ministres ne sont pas les ministres seulement de ceux qui sont du RDPC, les ministres sont les ministres de tout le monde. Ils ont l'obligation d'être à l'écoute de tous les Camerounais d'ailleurs. Vivement qu'ils vous entendent. Alors... J'espère que vous m'entendez, oui. Je m'adresse à de quel côté, oui. Alors, je parlais il n'y a pas longtemps avec un ministre qui m'exprimait sa gêne à recevoir parfois certains députés. Rassurez-vous, il ne m'a pas parlé de vous. Et sa raison, sa raison, c'était que beaucoup de députés qui cherchent à le voir, c'est pour demander des marchés publics. C'est une réalité. Je ne sais pas. Oui. Peut-être que c'est une réalité, c'est, oui, possible. Mais je vais dire que...
chaque personne est libre de fonctionner. Vous êtes quand même assez bien payé comme député au Cameroun. Un bâton par mois, laisser les marchés, c'est combien? Je ne sais pas, voilà. Mais je ne vais pas m'exprimer cette question. C'est presque un bâton par mois, c'est quand même suffisant pour bien vivre et ne pas chercher à gagner des marchés publics que d'autres personnes peuvent gagner, non? Voilà. Après, s'ils le font pour aider la population, tant mieux. Je doute qu'un gars qui gagne un marché de construction, je ne sais pas de quelle route, le fasse pour aider ses, ses populations, c'est à titre personnel. Hein. En tout cas, la question, ta question, elle est bel et bien là. Oui. Il y a des gens qui se posent des questions, mais peut-être on devrait... C'est un débat assez sensible. Oui. Voilà. Alors, ce n'est pas que je sois jaloux de votre salaire de député, mais quand même... Je suis sûr que vous touchez bien plus. Hein. Ah, que Dieu vous entende. Avec toute l'expérience, tout. Oh, vous avez un carnet d'adresse extrêmement fourni. Alors, revenons, revenons à vous. Alors, il y a pas mal de Camerounais qui s'offusquent quand même que pour ce que vous gagnez, que vous travaillez peut-être 3 mois par an. Oui. Moi, je suis pour que l'Assemblée nationale travaille tous les mois. Hein. Je veux dire que c'est un peu le cas un peu partout ailleurs. Je veux dire, la fonction de député devait être une fonction permanente. Et je pense que si les gens étaient peut-être un peu mieux, les députés étaient un peu mieux entretenus, ils allaient mieux focaliser leur travail sur leur travail, qui est justement celui du député ou du parlementaire, et ne serait pas dispersé un peu partout, moi je me dis. Donc, bon, maintenant, je pense à quelque chose qui existe depuis très longtemps. J'espère qu'elle sera revisée. Peut-être nous allons impulser ce changement-là pour que les députés travaillent de manière, peut-être même, pourquoi pas, permanente, carrément. Parce que c'est pas comme si les problèmes, c'est maintenant, et puis, il faut, parce que vous imaginez, quand il y a des lois, il faut attendre la session pour qu'elle passe. Donc, c'est un peu... Donc vous seriez favorable pour que les députés siègent de manière permanente toute l'année. Absolument, absolument. C'est ce qui devrait être. Oui. À mon avis, c'est ce qui devrait être. La fonction de parlementaire devrait être une fonction non-stop. Oui. Alors, on observe également dans cette Assemblée nationale qu'il y a quelques personnes qui sont assez actives. Est-ce qu'on ne pourrait pas, parce que si une Assemblée nationale avait 180 députés et on en a à peine 30 qui participent au débat social, politique et tout, est-ce qu'il y a un absentéisme quand même remarquable? Le président de l'Assemblée nationale le faisait observer il y a quelques années. Est-ce que pour vous, il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose d'assez contraignant pour que les députés viennent au travail? Je pense qu'il y a tellement de choses à faire, mais on n'a pas besoin de contraindre un député pour faire son travail. Si tu as été élu, c'est pour que tu puisses voter les lois. Il faut être là, il faut étudier les lois, il faut le faire. Si tu n'arrives pas à le faire, ça veut dire que tu n'es pas venu pour l'intérêt de la population. Oui. Puisque tu es là, tu les représentes. Tu les permets, tu les aides à décider en fait de ce qui est bien pour eux. Si tu ne peux pas le faire, tu n'as rien à faire à l'Assemblée nationale. Vous êtes prête pour la prochaine session? Absolument. Ce sera quoi votre... quel est votre plan ou alors quelles sont vos priorités pour la prochaine session? Moi, je suis quelqu'un qui agit sur... En fait, moi, j'ai les mêmes objectifs. Hein, donc ça ne bouge pas. Ça veut dire que j'ai des grandes lignes que je suis tout le temps. C'est toujours au niveau de l'emploi jeune, c'est toujours au niveau de la santé, c'est toujours au niveau de l'égalité, la parité femmes-hommes. La parité, oui. C'est généralement ça, mes grandes lignes. Et je reste toujours objectif de la famille, bien sûr. C'est là où je reste toujours dessus, en réalité. Ça ne bouge pas beaucoup. C'est ce que j'ai choisi, ce sont mes combats à moi. Donc forcément, ça dépendra des lois qui viendront. Je vais toujours vouloir valoir ça avant toute chose. Et pour le reste, stay tuned. Nouran Fouting, je suis, comme je vous le disais tout à l'heure, abonné à votre compte sur Facebook. Et j'ai observé depuis quelque temps, vous avez quelque chose qui revient comme une forme de devise. C'est un mantra chez vous. Et vous dites « Sky is not even the limit ». Alors, si le ciel n'est plus une limite pour vous, jusqu'où, Madame le député, entend-elle aller? Ministre, présidente de la République peut-être? Je ne suis pas taillée pour être présidente de la République, je ne pense pas. Ministre, mais alors j'ai envie de dire, je remplirai toute fonction que mon pays m'appellerait à exercer. Ça, c'est sûr et certain. Peu importe là où on m'appellera, si je peux servir mon pays, je le ferai. Je reste, comme tous les membres du PCRN, patriote avant toute chose.
Nous respectons les institutions. Nous pensons qu'il faut œuvrer pour améliorer les conditions des Camerounais. Nous pensons au sein du PCRN que ce n'est pas en se mettant à la marge qu'on fait évoluer les choses, mais c'est en entrant, se mélangeant à la masse, qu'on essaye de construire des choses, qu'on apprend aussi et qu'on est apte à relever certains défis plus tard. Donc partout où je serai appelée à être, je serai. Mais sinon, pour la fonction de président de la République, ça c'est fait pour Cabral. Mmh. Il est taillé pour ça. Alors, d'ailleurs, c'est pour 2025. Alors, le président de la République, justement, oui, a parlé de se préparer, oui, à la transition générationnelle. Il est encore là. Alors, comment voyez-vous l'après? C'est la dernière question de cette émission. La transition générationnelle, c'est pour tout le monde, comme je le disais tantôt. C'est aussi bien pour les gens de l'opposition et aussi les gens dans le sein du RDPC. Tout le monde veut cette transition-là. On se prépare, oui. Mais on se prépare aussi depuis très longtemps. Bon, la préparation, là, justement, c'est jusqu'à quand? Il y a des générations sacrifiées, là. Il y a des générations comme mon père, ils sont déjà sacrifiés. Je ne sais pas s'ils peuvent espérer encore grande chose. Mais nous autres, notre génération, nous, on est prêts. On est prêts depuis très longtemps. Il faut seulement nous donner. Si vous ne nous donnez pas, nous, on va arracher. Très bien, bah écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est bientôt la fin de cette émission. Juste le temps de vous présenter quelques ouvrages qui nous ont permis de préparer cette émission. Je vais commencer par ce livre de Renaud Revel. Le titre, c'est « Les Amazones de la République ». On n'a plus beaucoup de temps pour commenter ce livre « Sexe et journalisme à l'Élysée ». En fait, c'est un ouvrage qui parle de la collusion entre des femmes journalistes et des hommes politiques. C'est un livre très, très intéressant sur ce sujet. Parlant toujours de femmes, voici une magnifique enquête qui a été faite par Christophe Deloye. Il est le patron de Reporters sans frontières avec Christophe Dubois. Le titre, c'est « Sexus Politicus ». Voilà, « Sexus Politicus », sans commentaire. Je vous conseille vivement cet ouvrage. Et cet autre livre de Mona Chollet, elle est journaliste. Le titre, c'est « Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine ». Elle parle un peu de l'obsession des femmes pour la maigreur, le nyanga féminin et tout, qui devient pratiquement une obsession. C'est un livre que je vous conseille également. Et enfin, il est nouveau, il est tout beau. C'est le livre d'une consoeur de la CRTV, Rachel Malongo. Et le titre, c'est « L'ambitieuse », un magnifique roman paru aux éditions Proximité au Cameroun. Les éditions Proximité qui ont révélé notre écrivaine, Djaili Amadou Amal, oui, récemment prix Goncourt des lycéens. Voilà, Nouran Fotin, merci d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir. Et beaucoup de courage pour vos activités. Merci. À très bientôt sur Naya TV. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Bonsoir.